Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul et ça sent un peu l'été vu qu'on peut, je peux filmer en lumière naturelle et c'est génial. Du coup j'ai fait une commande sur Amazon il y a 4 jours. Donc j'ai tout reçu aujourd'hui. Donc j'étais mis en plusieurs colis. Tout d'abord je me suis acheté des écouteurs parce que en fait je ne sais pas ce que je fais avec mes écouteurs. Mais d'un coup, du jour au lendemain, sans aucune raison, il n'y en a plus qu'un sur les deux qui marche. Et c'est très chiant parce qu'il faut tourner dans le bon sens et tout, ça me saoule. Et du coup, là, en fait, le mien, ça va. J'ai réussi à en avoir un autre, tout ça. Mais quand même, toujours un d'avant. C'est ceux d'Amazon, ils sont très bien. C'est les Blue Car. Voilà. Moi, je prends des avec le truc en plastique parce que sans ça, j'arrive pas dans mon oreille. Je sais pas. Alors ensuite, je me suis pris des coques pour mon téléphone. Alors, on avait donc ces deux là, chacune 9,99€. Voilà, donc c'est quand même un petit prix. Mais voilà, donc j'ai pris une verre d'eau. J'espère que ça rend bien dans mon téléphone. Donc une verre d'eau comme ça. Je sais pas encore laquelle choisir parce que vous avez parlé pas mal. Et j'en ai pris une autre corail. Une corail comme ça. Et ensuite elle fait un lot de 6 coques pour 9,99€. Donc le prix d'une. Du coup il y en avait 6, de 6 couleurs différentes. J'ai vraiment pris des basiques parce que moi je préfère. Donc on a une noire, une bleu ciel, une rose, bleu nuit, une rouge et une jaune. Voilà, ça j'ai fait mon plein de coques et fruits. Cola juste ce qu'il faut pour un petit temps. Voilà. J'ai pris deux livres de ma liste d'envie qui ne fait que s'allonger. J'ai pris de Annie Ernaux La Place. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Annie Ernaux, vraiment, je l'ai découverte au collège. J'avais déjà découverte, mais j'ai vraiment découverte l'année dernière en français. Et vraiment, j'adore. En plus, c'est quand même assez beau. Désolée pour les rues que vous entendez, mais en fait, il y a des travaux dans ma rue. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même, parce qu'en fait son papa était ouvrier, petit commerçant, et elle, elle a pris la voie des études, donc pour lui c'était pas un chemin normal, pour lui il dit ça servait à rien. Voilà. Et ensuite j'ai pris ça, alors c'est une sacrée pavasse quand même, franchement je... c'est mon prof de philo qui nous a recommandé ça, mais je ne sais pas quand je le lirai, j'en sais un prendre quand même un moment, mais c'est La fin de l'homme rouge ou des enchantements. Et en fait, c'est un livre sur la fin de l'URSS. Voilà, et c'est en fait des interviews, on va dire ça, de personnes qui ont vécu, soit qui ont vécu pendant tout, qui ont vécu avant l'URSS et qui ont vécu aussi pendant, ou soit les gens qui ont vécu que pendant, et un petit peu, je pense que ça a quand même été un moment assez. Deux mondes différents, vraiment, entre le communisme et voilà, même l'URSS, ce régime dictateur, voilà, ça a quand même été... Donc c'est vrai que ouais, c'est quand même écrit très petit, il y a beaucoup de pages. Chez Ziman, alors bon, je vais vous montrer mes culottes, hein, c'est bon, mais voilà. Mais en fait, chez Ziman, j'adore les culottes qu'elle a, parce qu'elles sont pas chères, elles sont très bien. Donc là, on en a deux pour 4,99€. Et moi, en fait, j'adore, c'est les grandes comme ça. Alors j'ai pris du XL, d'habitude je prends du L, mais des fois c'est un peu trop petit, des fois c'est juste la taille qu'il faut, des fois c'est juste bien. Donc j'ai préféré prendre plus grand, au pire, enfin, mon cul est dedans. Mais ouais, j'aime bien les grandes culottes qui remontent vraiment, voilà, c'est vraiment les culottes que je préfère. Et surtout, ouais, ceux-là, des comme ça, vraiment qui prennent bien le ventre, vraiment c'est ce que je préfère. Parce que je trouve que c'est voilà, celle auquel je suis plus à l'aise dedans. Donc voilà, là il y a une rose et il y a une... motif fleuri, et là c'est une tout seule donc qui était à 3,99€, donc qui est comme ça. Voilà, vraiment leurs culottes sont très très belles, je les aime beaucoup. Ensuite j'ai pris ça, alors en fait j'ai même pas pu sentir si ça va, ça sent bon. En fait c'est des petites bougies, donc il y a Peony, je pense que c'est une fleur ça, Peony il me semble, non? Et citron frais. Ça sent très bon. Après aussi des petites bougies, je me suis dit, ouais, c'est mignon, c'est beau. Voilà. Peut-être pour mes petits colis vintage, ça peut être pas mal. Tu vois, j'ai mis pas mal de nouveautés. Et ensuite, je me suis pris. Alors, c'est à la base, c'est un pantalon de pyjama. Et je pense que je vais le mettre à la maison pour traîner.
Voilà, je vous. Ah non, la tête. Si je pense que la vidéo, je vis mon dressing a été publiée. En fait, la nuit avec ça, j'ai beaucoup trop chaud sous la couette et tout. Mais en journée, je pense que ce sera pas mal. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur dessus. Écoutez, 6,99€. Par contre, je l'ai pris en 2XL. Qui avait soit L, soit 2XL. Et je me suis dit, il faut mieux qu'il soit trop grand que trop petit. Voilà. Donc, c'est un pantalon, bah, normalement, de pyjama. Donc, ça se resserre là. Mais du coup, moi, je pense que je le mettrai genre en mode détente à la maison. Histoire de. Parce que des fois, franchement, je m'habille quand même quand je suis à la maison, pour les cours à la maison. Mais des fois, franchement, mon jean il me saoule. Moi, j'ai pas envie de mettre un jean. Donc là, au moins, voilà, je serai tranquille là-dedans. Voilà pour cette première partie de haul. Et en fait, je pense que ce haul va être assez rapide au niveau de la longueur, du temps entre chaque truc. Parce que lundi matin, lundi tout court, je vais à Saint-Quentin. Donc, je vais faire pas mal de shopping, je pense. Donc voilà, du coup je vous fais des bisous, je vous laisse avec la suite. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du haul. Donc c'est le fameux haul des vacances. Donc il y a quand même pas mal de petites choses. Mais je trouve que ça va encore, j'ai fait largement pire. Alors on va commencer par Action. La meuf qui fait beaucoup de ventes vintage, je me suis racheté du scotch, beaucoup en disent bien, et du coup il était pas très cher, c'est moins d'un euro. Voilà, du scotch pour refermer les colis parce que ça part très vite. Surtout qu'en ce moment je fais pas mal de ventes. Pourquoi ? Bon, j'ai mis quand même pas mal de nouveautés, mais il y a aussi des vieux trucs qui partent. Donc voilà, mais voilà tout. Je savais qu'il fallait que je m'en rachète, que j'allais bientôt plus en avoir, que ça c'est super pour fermer les colis. Parce que clairement, là ça ne bouge pas. Alors ensuite, ça je les ai déjà achetés. Mais je les ai vraiment beaucoup aimés, c'est les petits masques pour les cheveux comme ça, donc coco, mangue et cactus. Je vous en ai parlé dans les produits finis et ils sont vraiment super bien, ils démêlent bien les cheveux. Et surtout ils font sentir super bon les cheveux, donc je les ai retrouvés, donc je les ai rachetés. Ensuite bien sûr je me suis acheté des masques en tissu, voilà forcément. Je me suis pris celui-là, donc c'est à la truffe blanche. Donc comme dans la vidéo une semaine masse action, je vais faire des vidéos notamment où je teste, 5-6 masques en tissu. Voilà, donc ça vous le verrez sinon dans une prochaine vidéo. Après la même gamme, j'ai pris ceux-là. Ils sont trop mignons. Donc il y a le croco, parce qu'il y a vraiment la tête de croco et la tête de gorille. Et ça, à la bave d'escargot. Donc du coup j'ai appris, en fait c'est pas vraiment la bave d'escargot. Voilà. Mais en fait c'est un processus chimique qui... refait les mêmes propriétés que la bave d'escargot et des petits escargots dessus, franchement. Voilà, comme ça, celui-là, non, je pense qu'il est, ouais, il est blanc, tout simple. Mais voilà. Et ensuite, alors ça, j'ai même pas senti, mais ce sont des produits à la banane. Donc, on a un shampoing à la banane. Ah, ça sent les bonbons Haribo. À la banane, donc 400 ml, un format quand même assez généreux. Et on a le masque pour les cheveux, pareil, à la banane. Voilà. Et du coup ça fait penser un peu au masque à la banane de chez Fructis. Voilà. Donc peut-être que, je sais pas si on peut utiliser, je pense pas qu'on peut utiliser comme sens, hein, ça je suis là. Je me suis pris ça parce que ça fait très longtemps, en fait je vous avoue que c'est depuis le premier confinement que je cherche ça. Donc ce sont des, vous savez, les bandes pour les élastiques pour mettre de la résistance dans les mouvements. Et je pense que là je vais me remettre au sport à la maison parce que j'ai juste là envie de me bouger. Voilà, donc on se dit envie de me bouger et peut-être de reprendre un petit peu de muscle. Et du coup bon, j'ai pris résistance de 10 kg parce qu'il y avait jusqu'à 35 kg, mais je vais voilà. Mais du coup c'est bien parce que ça permet en fait dans les mouvements du coup d'avoir une résistance, donc c'est un peu mieux. Ça rend les trucs un peu plus compliqués, on va dire, et en même temps ça permet de meilleurs résultats. Donc du coup ouais, c'est comme ça. Et voilà. Après il y avait beaucoup plus résistant et je me suis dit pour une première je vais prendre celle-là et du coup je saurai qu'il y en a à Action. Ensuite, alors à la base c'était mon papa a acheté des chaussures. Et au final, je me suis acheté un sac à main chez Chaussée A. Donc à 30 €. Comme ceci, donc qui est à bandoulière, donc ça super parce que moi c'est ce que je veux en fait. J'aime pas les sacs justement juste à main. En plus à l'intérieur il y a une petite pochette et tout. Franchement je l'ai trouvé vraiment super mignon, rose poudré comme ça.
Et donc à l'intérieur, donc, vous avez des petites pochettes comme ça. Vous avez une pochette qui se ferme. Moi j'ai déjà un sac à main. Mais en fait il est tout petit, c'est mon nouveau catalogue, je bosse où. Après vraiment il est tout petit. Est-ce que mon sac à main, mon porte-monnaie ne rentre pas dedans. Ouais, donc c'est un petit peu problématique. Du coup ce qui fait que ma carte se balade dedans et tout, c'est un peu pas ouf quoi. Ensuite j'ai des calcons. Alors je me suis trouvé un haut que je pourrais même porter en haut normal parce que je le trouve plutôt mignon. Bon peut-être le derrière fait un peu sport mais comme ça. En rose poudré qui était à 10 €. Je me suis trouvé une veste de sport comme ça. Là ça fait plus vieux rose il me semble, et là c'est plus rose poudré. Voilà, une veste de sport, bon j'ai pris en 2XL parce que sinon c'était soit M soit 2XL. Donc je vous avoue que c'était mieux de prendre 2XL. Donc voilà. Ça même en haute que pour le sport, j'aime bien ce genre de veste. J'aime bien mettre ça. C'est plutôt sympa et donc c'était 17 €. Et ensuite c'est ma maman qui a voulu, elle m'a dit il faut qu'on t'achète des chaussures de sport pour aller marcher cet été, tout ça. Donc de la marque des Decathlon, je n'ai pas honte de voir la marque des Decathlon. Voilà, donc elles sont jaunes cheveux en dessous, mais voilà. Je les ai trouvées plutôt pas mal. 35 €. Voilà. Voilà, parce que ma mère voulait pas me lâcher pour acheter des chaussures de sport, donc je vais me prendre celle-là. Voilà. Ensuite, chez Kiabi, je me suis pris deux t-shirts. J'aime bien les t-shirts de shooter, c'est bien que j'ai vu ça. Donc à 6 €. Ce t-shirt là, libre comme l'air, bon, il fait très grand mais au pire je serais bien dedans comme ça au moins. Libre comme l'air. Et celui-là à 4 € et donc 4 € en noir comme ça. De toute façon elle va bientôt être dans la période où je vais mettre plus que des jeans et des t-shirts à manches courtes. Et ensuite ça, alors parce qu'en fait c'est mon maman qui a insisté pour que je le prenne, qui était à 15 €. C'est un jean mom. Voilà. Donc qui est comme ça, donc assez large au niveau. Toute taille haute. Chose, mais le petit nœud là, je trouve pas mal mignon. Petit jean. Et je pense que ça pour début d'été, ça peut être pas mal du tout. Ouais. Chez Stokomanie, je trouvais ça à 4 €. Je sais pas. Franchement, je l'ai trouvé grave mignon. Genre, je le vois déjà là-bas. Voilà, Just Believe in Your Dreams. Avec une petite licorne pailletée. Je sais pas. Franchement, j'ai trouvé grave mignon. Peut-être un petit peu enfantin, mais franchement, je m'en fous. Voilà. Pour être avec vous, je m'en fous. J'ai pris deux Dove Original. Depuis la dernière fois, il n'est pas fini l'autre, hein, mais comme ça, j'aurai du stock. Et surtout, c'est que là, j'ai deux Dove naturels que je vais tester, mais au cas où. Par exemple, je tiens le Dove et je vais tester les deux naturels, mais au cas où, je préfère quand même avoir au moins un Dove. Et vu qu'il est quand même beaucoup moins cher à Stokomanie, j'en ai pris deux. Comme ça, même pour cet été, comme ça, au moins, je serai tranquille, je ne me sentirai pas. Et ça, en fait, c'est des serviettes démaquillantes, mais en fait, moi, je vais utiliser ça pour enlever mon maquillage. J'ai failli en racheter une chez Action, mais au final, je l'ai pas fait, comme vous avez pu voir. Voilà. Et ça sera pour enlever mes petits masques. J'ai trouvé deux masques en dessus de la marque Yelts. Donc on a le blanc cocooning à l'aloe vera et acide hyaluronique pour une peau lisse et protégée. Et on a le bleu océan extrait d'eau de mer et carangénane. Voilà, donc pareil, dans les petites vidéos, vous les verrez prochainement. Ensuite, je me suis pris des bandes de surprise à la mangue de Schneider. Parce que l'été arrive, donc les jambes qui ressortent, et donc ça, ça va très vite revenir à faire mon épilation beaucoup plus régulièrement que cet hiver. Vu que du coup, ouais, comme samedi, en fait, j'ai mis une robe longue, et ben j'ai fait la fameuse technique de la flemme, c'est-à-dire ne raser que ce qui se voit. Ouais. Et ensuite, alors, je vais me faire un carton, c'est pour ça qu'il ne savent pas, mais bon, j'ai un carton de stock. Et je vais me faire un carton de stock de gel douche. Parce que là, il va falloir que déjà ça ne va pas rentrer dans mes stocks. Je le sais. Tout à l'heure, j'ai vu celui-là. De Love Beauty and Planet. Voilà. J'en ai acheté un, vous l'avez vu juste avant, genre, il y a genre 3 jours.
Ouais, mais là j'en ai appris un. Au beurre de karité et bois de santal, parce que franchement ils sentaient super bon. Ouais. Hyper doux ça, franchement, pour l'hiver, quitte un petit peu, et heureusement, va-t'en loin l'hiver. Mais en tout cas, ouais, super sympa. Et ensuite là-bas il y a des cottages. En fait, le souci c'est que les cottages c'est que des big formats. Et les deux, j'ai vraiment eu un coup de cœur et bah du coup. Bah écoutez, voilà, ça me durait qu'un an, c'est tout. Donc j'ai pris à l'huile de coco pour peau sèche et sensible. Ça sent super bon la coco, ça pour cet été, tu vois, en vacances, en venant de la plage. Ah, le bouchon il est cassé, j'avais pas vu. Et j'ai pris 750 ml. Divine violette, douche et bain lait hydratant. Les bonbons à la violette, c'est juste un pur plaisir. Ensuite, chez Futura, je me suis pris 3 livres. Tout d'abord, j'ai pris un livre de Virginie Grimaldi parce que en fait, là j'ai envie de le lire. Et en fait, Virginie Grimaldi, c'est vraiment une autrice que quand le moral ça va pas trop, en tout cas, en ce moment, moi j'ai un moral un peu fluctuant, c'est-à-dire c'est un petit peu. Voilà, j'ai quelques jours super bien, je suis trop heureuse, je suis vraiment au top de ma vie. Et ensuite, d'un coup, je suis au bout du rouleau. Puis après, ça remonte, tu vois, puis ça redescend. Puis... Ouais, donc c'est un peu fatigant, je vous avoue. Mais là, c'est quand nos souvenirs viendront danser. Et en fait, en plus, avec des personnes âgées. Et alors, je sens que ça va être trop sympathique. Donc, je vous laisserai aller lire le résumé sur internet. Et Virginie Grimaldi, vraiment, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment fine et bonne. Ensuite. Ça, ouais. Bon, je voulais pas encore parler, je n'en ai pas encore parlé dans la série Cocooning, mais vous doutez bien quelle série Netflix j'ai pu regarder derrière moi. Voilà, vous doutez bien, voilà. Lupin, voilà. Du coup, celui-là, c'est le livre Gentleman Cambrioleur, et c'est celui-là que Hassan Diop lit dans la série. Mais j'ai vu, c'est une autre édition, je sais plus laquelle, c'est J'ai lu, il me semble, qu'ils ont réédité toutes les nouvelles d'Arsène Lupin, ils étaient tous là, et franchement j'avais bien envie de les acheter, mais je me suis dit, ouais, mais Arsène Lupin de Maurice Leblanc, bah, en plus, franchement, la couverture, elle est juste trop belle, et voilà, vraiment, ça m'a donné vraiment envie de lire, et je pense qu'on est pas mal à voilà, avoir envie de lire, et je trouve ça vraiment bien, les séries, je sais qu'ils sont... qui amène à voilà, faire de la culture, et du coup je vous avoue que bah, je connaissais Arsène Lupin, mais là ça m'a vraiment donné envie de regarder, de lire plutôt pas. Et ensuite c'est suite à une recommandation de Thiboudou Boudou. Voilà, donc là on part sur une lecture un peu moins, bon, non, un peu moins feel good que Virginie Grimaldi. Voilà, c'est Patient zéro à l'origine du coronavirus en France. Voilà. Voilà le récit documenté des débuts de la contamination en France qui prend au fil de la lecture des allures de polar. Malades, familles, soignants, élus et chercheurs racontent aussi la panique, les ratés et la mobilisation face à ce virus qui a bouleversé la vie des Français. Voilà, et du coup ça retrace l'histoire voilà, du début du coronavirus en France, donc en février-mars dernier. Au moment où on recherchait le patient zéro, donc, je sais pas si ils vont finalement trouver, mais voilà. Donc je pense que je vais le lire tout de suite parce que donc, pour l'instant le coco, j'en ai ras le coco. Voilà. J'en peux plus, mais voilà, en fait, je l'ai trouvé de lire, donc j'en ai profité pour l'acheter, mais voilà, je pense que ça va être pas mal du tout, et de voir un petit peu pourquoi pas, parce que c'est vrai que je me suis pas forcément, bah si, je m'ai intéressée, mais de assez loin quand même, parce que bah, comme toutes les infos en fait, voilà, moi je, bah, déjà même avant mars dernier, du coup on est déjà en mars là, mais avant mars dernier je ne regardais pas trop les infos, et puis mars dernier en fait pendant le confinement j'ai fait l'erreur certains matins en petit déjeunant de regarder la télé, les infos, et franchement je ne conseille pas. En plus c'était pendant le confinement, mais là je pense que c'est pareil, je pense que c'est... Là ça doit être les vaccins, ça doit être le variant, ça doit être tout ça. Pas... Mais vraiment tellement anxiogène, c'est horrible. Et voilà.
Là, au moins, je me documente. Voilà, bon, j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Hein. Voilà. Mais, comme je vous dis, j'ai déjà fait bien pire. Donc, bref, du coup, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, alors là, je vous retrouve pour la suite, la fin du haul. Donc, il y a un petit peu de Z-Man. Tout d'abord, bon, ça, c'est ma maman qui l'a pris. Je vous ai montré dans le haul précédent le petit body pour mon futur neveu ou ma future nièce. Et en fait, il y avait des petits nuages comme ça. En fait, c'est des... Voilà, c'est des petits... surtout vraiment quand ils sont tout bébés, ils aiment bien, ça fait du bruit, c'est sympa. Je trouve que ça fait un... Voilà. Mais du coup, c'est toujours marqué Born in 2021. Voilà. Donc c'est en accord avec le pyjama. En parlant de pyjama, je vous ai montré dans ce haul, il me semble, un bas de pyjama. Et en fait, j'ai racheté l'autre modèle qui est en motif... animal, j'allais dire léopard, mais un léopard, okay, jaguar, non, ça pas de. Bref, un animal noir et qui a des petits points. Parce que en fait, je mets pas en tant que pyjama la nuit parce que la nuit j'ai beaucoup trop chaud si je me mets en pantalon, mais pour traîner à la maison, comment c'est tellement confortable. Et vu que c'est pas vraiment, vu que je l'utilise pas en pyjama habituellement, et bah du coup, ça passe un peu mieux, tu vois. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai racheté l'autre modèle parce que vraiment, j'ai trop bien dedans. Et ensuite, j'ai fait donc à 3,99€ ceci. Donc, c'est une petite bougie comme ça. Donc, je vous avais montré les petites que je mets dans mes colis vintage. Et donc là, oula, j'ai pris la grande, donc fraîche citrus. Alors, la boîte, franchement, je vais la garder pour mettre genre mes petits crayons ou un truc comme ça. Et ensuite, j'ai la petite bougie. Ça sent vraiment genre super bon citron. Et ça, là qui fait beau et tout, tu mets ça, franchement ça fait hyper frais. Bon, maintenant, en hiver aussi, hein, j'aérais, on va dire que j'aérais genre 2 minutes sans changer l'air et j'enfermais très vite parce que vraiment il caillait. Mais là, on va dire jour un peu plus longtemps, donc là il fait quand même assez frais. Hein. Là il y a le soleil, mais il fait quand même frais encore. Voilà, je laisse ouvert 5-10 minutes, voire des fois quand là il a fait vraiment chaud pendant une période, c'était toute la journée que c'était ouvert. Mais du coup, ça fait vraiment frais justement. Ça sent très bon. Et ensuite, alors, j'ai fait une commande. Je me suis fait influencer par la youtubeuse Auria. Parce que c'est une youtubeuse en qui j'ai entièrement confiance. Et qui fait pas vraiment beaucoup de partenariats, tout ça. Et en fait, c'est la marque Kaya. Voilà. Alors, ça coûte quand même assez cher. Mais en fait, ce sont des produits à base de CBD. Donc, c'est un peu le nouveau truc à la mode, entre guillemets. Donc, le CBD, c'est ce qu'il y a dans... cannabis, sauf que là dans le cannabis il y a de la THC, donc sauf que là il n'y en a pas, donc c'est à dire qu'on a les côtés, on va dire le bon côté du cannabis, c'est à dire que ça te détend, mais pas, il n'y a pas le côté addictif, aussi le côté quand même pas très bon pour la santé, et aussi ça enlève le côté illégal. Et ça coûte quand même assez cher parce que pour ça j'en ai eu pour 60€. Voilà. Mais on va voir. Donc j'ai pris deux trucs pour le stress. Donc c'est Happy Gummies. Alors en fait c'est multivitamine. Donc ça c'est pour ça, voilà, c'est pour se déstresser, se détendre. Alors en fait c'est des petits bonbons. Et c'est assez j'en ai pris un tout à l'heure, mais c'est assez perturbant parce que ça fait vraiment des nounours comme les Haribo. Et ça a vraiment le goût de nounours en fait. Donc c'est à fraise et orange. Donc là, il faut faire très attention si vous êtes des enfants de le cacher. Parce que ça, clairement, un enfant, il voit ça, il le bouffe, hein, concrètement. Sauf que bon, déjà, il ne faut pas dépasser 70 mg de CBD par jour. Par bonbon, on en a 10. Et on prend maximum 3 par jour. Voilà, et aussi, bah, pour un enfant, c'est pas ouf. Voilà, on va être très bien attendu, mais je suis pas sûre que c'est vraiment très très bon pour lui. Voilà, il n'y a pas de THC, c'est vegan friendly, donc voilà. Donc voilà, ce sont des petits bonbons. Et il y avait ça aussi, des chewing-gums. Donc là, il n'y en a que 5 mg dedans. Il y en a 10 dedans et c'est à la saveur de menthe, sans sucre, voilà, avec un extrait de chanvre. Voilà. On va tenir de portée des enfants, réservé aux adultes. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. Voilà, donc n'en prenez pas trop. Voilà, des petits chewing-gum, voilà, c'est pas ouf, il y a une petite crise qui arrive.
Et ensuite, j'ai pris ça, où dedans il y a 20 mg. Et en fait, c'est une cure d'un mois pour la nuit, en fait. C'est pour support. Aide pour la relaxation et la balance des émotions, quoi. Dedans, il y a de la mélisse, tout ça, tous les trucs pour dormir. Voilà, il y a plein de trucs dedans, voilà. À base de plantes adaptogènes, extraits de chanvre et minéraux. Et du coup, en fait, faut prendre 2 capsules chaque soir, 1 heure avant d'aller dormir. Ouais. Et du coup, par jour, faut pas dépasser 70 mg. Du coup, en fait, ce sont des gélules comme ça. Ouais, ça fait vraiment très médicament. Et donc, on en prend 2 tous les soirs avant d'aller dormir. 1 heure avant d'aller dormir, pardon. Donc, moi, je les prendrai le soir après la série, vu que souvent, je me mets en mode dodo 1 heure après, à peu près. Voilà, et donc Auréa, donc c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup déjà et qui est une personne qui est un peu comme moi. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup comme ça, avant de dormir, on pense beaucoup et des fois, eh bien ça part. Moi des fois, dimanche soir, là on est mardi, dimanche soir c'est parti en crise d'angoisse. Voilà, donc c'est pas très sympathique, hein, voilà. C'est vrai que c'est pas... Donc elle a dit que du coup elle avait commencé pendant un petit temps et ensuite elle avait arrêté, elle avait repris, elle avait vraiment trouvé un effet. Donc je me suis dit, je perds en repas. Ça me perdait un peu d'argent. Mais je perds rien à tester. Voilà, du coup j'ai envie de tester tout ça. Donc c'est vraiment en fait le CBD, c'est quelque chose qui est vraiment préconisé pour tout ce qui est genre voilà, très anxieux. Après je sais que sur le site il y a aussi un truc où tu sprays dans ta bouche, tu dois laisser fondre. Mais je me suis dit que pour. C'est pour la nuit, non? C'est pour le stress, je sais plus. Mais je me suis dit peut-être pas. De prendre un truc vraiment pur, je vais attendre de voir comment je réagis avec voilà, des petites gélules, des petits bonbons, voilà, des bonbons, des chewing-gums, voilà. Mais ouais, pourquoi pas tenter. Et par exemple la nuit, si je veux vraiment que ça marche beaucoup, je sais que tu peux prendre en cure de 3 mois. Bon, ça coûte quand même assez cher. Vu que quand j'ai une course 60 balles, voilà. Mais bon, si c'est vraiment très efficace, voilà, mais c'est un peu vraiment le truc à la mode et c'est super bien, et aussi pour plein d'autres choses. Apparemment, il me semble que pour les règles aussi, c'est pas mal, pour la douleur des règles. En fait, ça apaise tout, quoi, et il n'y a pas de dépendance ni accoutumance, comme ils disaient à la télé. Et voilà pour la fin de ce haul. J'espère que ça vous a plu. Donc ça, les petites gélules, ça, je vous en parlerai peut-être dans les blogs blabla. Et pour la cure d'un mois, je vous en parlerai, bah du coup, là, ça sera... plutôt les produits finis du mois d'avril. Vu que là on est le 2 mars. Ouais, le 2 avril j'aurais déjà filmé la vidéo. Surtout que la vidéo sort le 31 mars. Donc j'espère que je l'aurai filmé avant. Mais voilà, plus fin avril, je vous en parlerai dans les produits finis. Et au cas où, à tête que je recommanderai. Mais voilà, j'avais envie de tester. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.